le créateur de Squid Game Hwang Dong-hyuk a expliqué le sens d'une des scènes les plus marquantes du dernier épisode de la série coréenne qui bat tous les records sur Netflix. Attention, ce qui suit revient en détail sur l'intrigue de la série Squid Game, disponible sur Netflix. Si vous ne l'avez pas encore vu, et ne souhaitez rien savoir sur son contenu, il vous est alors vivement recommandé d'interrompre dès à présent votre lecture de cet article. Il y a quelques jours, nous développions une théorie sur la raison ayant poussé Ji-hyun à se colorer les cheveux en rouge vif à la fin de Squid Game. Quel sens donner à ce changement capillaire radical? S'agit-il d'un message envoyé à l'encontre des organisateurs du jeu? Confronté aux théories développées par les fans, le créateur de la série Hwang Dong-hyuk a décidé de fournir des explications sur cette séquence clé. Interrogé par nos confrères du journal The Chosun Ilbo, le cinéaste sud-coréen est ainsi revenu sur le dénouement du 9e épisode. Soulignant l'enthousiasme des fans, beaucoup plus créatifs que lui selon ses propos, Hwang Dong-hyuk a expliqué s'être énormément identifié à Ji-hyun, et que la décision de se colorer les cheveux était en quelque sorte la sienne. Métaphore selon ce dernier de la colère du personnage, les cheveux rouges de Ji-hyun n'ont ainsi pas d'autre sens que l'inspiration sur le moment du tournage du scénariste et réalisateur de la série. Au cours de ce même entretien, Hwang Dong-hyuk est également revenu sur la théorie du Dedaki, lire notre article dédié, livrant là encore une réponse quelque peu déconcertante. Une théorie en vogue avance que le choix de la couleur lors de la partie face aux vendeurs déterminerait le recrutement des participants au jeu, couleur bleue, et des soldats masqués, couleur rouge. Mais pour Hwang Dong-hyuk, le choix de ces deux couleurs était tout simplement une référence au folklore coréen, la légende du fantôme Akamanto qui hante les toilettes. Ce spectre propose à ses occupants du papier toilette rouge ou bleu, le choix du rouge entraîne une blessure mortelle, et l'étranglement pour le choix du bleu. L'intégralité de la série Squid Game est à retrouver dès à présent en intégralité sur Netflix.